ça, non, c'est pas non plus superflu. Si on y est un petit peu pour ça, bien entendu, je suis prêt à avoir des choses. Nouvelle-moi tout ça. Maintenant, c'est une chanson scientifique que je vous propose, qui a été sur différents terrains validée, approuvée. C'est une chanson qui s'appelle 88%. Des calculs ont été faits par moi-même. 80% des mecs donc, sont pédés. À première vue, un peu plus ce soir. Ben, on est ravis de vous la jouer, en tout cas. Et en plus, dans cette chanson, figurez-vous que j'avais demandé la parole à un grand artiste qui s'appelle Lopal, que vous connaissez bien, je crois. Oui, figurez-vous, ce soir, à la Cigale, Lopal est là. Tu as choisi la narine droite. Je ne savais pas dans quelle narine je vais sortir. Ouais, moi c'est celle que je préfère aussi. J'ai tendance à me fourrer le nez dedans facilement aussi. Je suis heureux quand on est les mêmes goûts. Ouais, pour mater la narine. C'était la narine droite toi aussi. Attends, ouais. On dit la narine droite si c'est ta narine droite ou c'est par rapport aux gens. En venant de la mort. Mais c'est ton point de vue, c'est comme la scène cour et jardin. Oui, c'est très compliqué. Et venant de l'intérieur du corps, c'est la narine droite. Antoine, je te remercie d'être là pour inventer l'honneur. Un grand plaisir, Philippe. Et merci de livrer ton généreux témoignage sur cette chanson. C'était 88. C'est ton statistique. C'est mon statistique. Que j'inspecte. À discuter de Dieu. Hey, hey, comment ça va, Cigale? Tout le monde va bien? 88% des mecs sont pédés. 88% des mecs sont pédés, 15% des mecs sont pédés, 73% 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 des mecs sont pédés, 73
tendez-les vers les cieux. Vous êtes connecté à l'au-delà, désormais, jusqu'au restant de votre jour. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Votre petit doigt, qu'est-ce que c'est un petit doigt? C'est un auriculaire, Antoine. Tu viens de me l'apprendre. Oui, l'auriculaire, tu vous sers à quoi? Allez chercher le cérumen au fin fond de votre oreille. C'est ainsi que l'auriculaire est né. Alors s'il vous plaît, Gracias.